Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite version courte de l'introduction de la semaine dernière en guise de générique, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en fait, on va pas perdre plus de temps en introduction, on va tout de suite passer aux news qui ont marqué la culture geek tout au long de la semaine. L'information nous vient de Business Insider, Microsoft prévoirait d'intégrer des publicités dans ses jeux free-to-play. Du coup, les marques pourraient donc payer pour s'afficher dans différents jeux vidéo. Alors après, on est d'accord, de la pub ou des placements de produits dans les jeux, en fait, ça n'a rien de nouveau. Personnellement, je pense directement au placement de produits pas très subtil de Monster dans Death Stranding. Mais là, par contre, j'imagine déjà des gros panneaux publicitaires Pepsi ou Pizza Hut en plein game, et franchement, ça fait pas rêver. Et même si on peut se dire que ça permettrait de fournir plus de contenu gratuit au jeu, honnêtement, j'y crois pas trop. Bref, on verra bien ce que ça va donner, à noter que Microsoft n'a encore rien communiqué à ce sujet. Mais selon la source, le début de ces pubs in-game devrait commencer au troisième trimestre de cette année, donc on sera vite fixé. Ce week-end de Pâques a vu se dérouler la deuxième édition de Speedrun, le marathon de speedrun initié par Mister MV dont les bénéfices sont reversés à l'association Médecins du Monde. C'est donc plusieurs dizaines de speedrunners qui se sont relayés pendant 55 heures pour finir des jeux comme Dark Souls 3, Mario 64, Celeste, Ocarina of Time et j'en passe, le tout le plus rapidement possible. Bref, 55 heures de performances exceptionnelles qui auront permis de récolter plus de 800 000 euros pour l'association, passant ainsi largement devant l'édition 2021 qui avait quand même rapporté 614 000 euros. Bref, je pense qu'on peut dire que Speedon s'est fait une vraie place dans l'univers du marathon de speedrun. Et on a évidemment hâte de se retrouver pour l'édition 2023. Je crois que l'une des futures adaptations de jeux vidéo en film qui m'intrigue le plus, c'est celle de Minecraft. Et du coup, quand j'apprends que Jason Momoa serait en discussion avec Warner Bros. Pour jouer dans ce film, ça m'intrigue encore plus. Et oui, vous avez bien entendu, l'interprète de Khal Drogo et d'Aquaman pourrait être dans le film Minecraft. Alors pour rappel, il s'agira d'un live action, et en vrai c'est à peu près tout ce qu'on sait. À noter que le projet a commencé en 2014, mais a priori son développement a été assez compliqué. Mais bon, comme les droits que détient Warner s'arrêtent en janvier 2023, une chose est sûre, c'est que la production va commencer avant cette date. Bon, en tout cas, je pense que je suis pas le seul à avoir du mal à imaginer ce que ça pourrait bien donner, mais quand même j'ai assez hâte de voir Jason Momoa couper des arbres à main nue pour se faire une cabane. 200 000 abonnés, c'est pas encore le nombre qu'on a ici, mais par contre c'est le nombre d'abonnés que Netflix a perdu en 2022, ce qui marque quand même la première grosse perte d'abonnés pour la plateforme en une décennie. Et évidemment, on imagine que l'arrivée de concurrents sérieux comme Disney+, n'y est pas pour rien. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir comment c'est pour vous, si vous avez abandonné Netflix, si vous cumulez les plateformes, etc, etc. Vous me le direz dans les commentaires, mais c'est vrai qu'entre Netflix, OCS, Prime Video, Salto, toutes les autres plateformes et celles qui vont arriver, on sait plus trop où donner de la tête. On a enfin eu une première bande-annonce pour le film Thor Love and Thunder. Une bande-annonce bien rock'n'roll qui laisse entrevoir une véritable épopée mythologique. On peut notamment apercevoir Zeus et de nombreux paysages absolument magnifiques. Bien sûr, l'humour devrait aussi être au rendez-vous, notamment grâce à la présence des Gardiens de la Galaxie qui seront également de la partie. Et en plus, petit bonus à la fin de la bande-annonce, on peut également voir Jane Foster en Thor, une version du personnage bien connue dans les comics, et ça va être très cool de retrouver ça à l'écran. Bref, vous l'aurez compris, de mon côté, la hype est bien présente, mais n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous dans les commentaires. M. Night Shyamalan est un réalisateur dont j'aime beaucoup le travail, notamment Sixième Sens et la trilogie Incassable, Split et Glass. Donc c'est en toute logique que je suis ravi d'apprendre qu'il a commencé le tournage de son nouveau film. Et en même temps, si j'en avais rien à faire, a priori je vous en parlerai pas. Bref, pour l'heure, on ne connaît pas le synopsis du long métrage, mais on sait qu'il s'agira d'un thriller horrifique de science-fiction, que ça va s'appeler Knock at the Cabin, et que le casting comprendra entre autres Dave Bautista, Ben Aldridge et surtout Rupert Grint, qu'on n'a pas revu au cinéma depuis 2015, donc ça fait vraiment plaisir. Bref, on a hâte d'en savoir plus en attendant sa sortie qui est prévue pour le 23 février 2023. Et bien voilà les amis, on a fait le tour des news dont j'avais envie de vous parler, maintenant il est temps de passer à la partie sondage. Et donc la semaine dernière, je vous demandais niveau gaming sur PC si vous étiez plus clavier-souris, le traditionnel duo gagnant, ou bien manette. Et déjà, on peut noter que vous êtes 34% à ne pas jouer sur PC, donc forcément la question pour vous ne se pose pas. Mais pour les autres, vous êtes 44% à jouer avec le duo clavier-souris. Sans grande surprise en réalité, mais quand même, vous êtes aussi 23% à jouer avec une manette. Alors après, évidemment, on imagine que le type de jeu auquel vous jouez rentre évidemment en compte. Par exemple, en ce qui me concerne, je joue surtout à des jeux à la troisième personne ou à des platformers 2D, donc forcément la manette est généralement
pas systématiquement, mais généralement plus adaptés à ce type de jeu. Et par contre, c'est vrai que si vous, vous êtes plus jeu de tir type FPS, c'est tout à fait logique que vous jouiez avec le duo clavier-souris. Enfin voilà, de toute façon, le plus important, c'est bien évidemment d'être à l'aise pour jouer. Bref, merci d'avoir répondu à ce sondage, et vous avez d'ores et déjà le nouveau disponible dans l'onglet communauté de la chaîne. Sur ce, merci d'avoir regardé cette édition de Pop Actu jusqu'au bout, ça fait évidemment extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi lâcher votre plus beau pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous. Ça fera un petit peu de pub, et en vrai, ça peut pas faire de mal. Quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glen Erwan, see you next time.